internautes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo, ma foi, un peu spéciale. Je suis accompagné de mon équipe préférée, composée dans un premier temps de mon cher ami Kisang. Dans un second temps, nous allons retrouver l'illustre, le grand Rio. Et pour finir, je vous propose à tous, mes chers amis, un tonnerre d'applaudissements pour le grand Scringe. Aujourd'hui, concept très simple, on va simplement pratiquer, ma foi, notre art le plus noble que l'on sache maîtriser aujourd'hui, qui est le mime. Et tout de suite, le premier mime. La meilleure intro. Bah ouais. Il rentre. Ah, il rentre dans le rideau. Il ouvre le rideau. Oh, il ferme le rideau. Ah, l'ascenseur. Il est dans l'ascenseur. Oh, il est dans l'ascenseur. Descendre de l'ascenseur. Il est bloqué. Il est bloqué. Ascenseur bloqué. Il appelle les pompiers pour débloquer l'ascenseur. Il appelle la police. Je n'ai plus de réseau. Je n'ai plus de réseau. L'ascenseur n'a plus de batterie. Je n'ai plus de batterie de téléphone. Oui, monsieur, les gars. Il conduit un véhicule. Il est dans un safari. Une meuf. Une femme. Un animal. Ah, c'est dans un safari. Un safari, ouais. Non, elle est au zoo. Elle est à Toari. C'est un safari, il se fait attaquer par un tigre. Il se fait attaquer par un lion. Par un gorille. Elle se fait attaquer par un jaguar. Par un singe. Attendez. En train d'attaquer. Ah, un éléphant. Un rhinocéros. Un crocodile. Un kangourou. Un éléphant. Une girafe. Bah, un groupe de tigres. Un troupeau de lions. Un troupeau d'éléphants. Un troupeau de tigres. Un troupeau de bah, une armée. Par tous les animaux de la savane. Bim est en vacances dans un safari, il observe les animaux, mais ils essayent constamment de l'attaquer. On y est. C'est un mec qui marche avec du flow, avec du swag. Il regarde le ciel. Il se fait électrocuter. Coup de foudre. Attends, il se prend une. Il se fait tuer. Après, il rapte ici. Il devient un insecte. Il devient un mini. Moi, regardez-moi. Allô, bonjour. Bonjour, regarde. Le mime, il se prend l'éclair de Mario Kart. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez-moi. Il essaie de se faire remarquer. Appel à l'aide. Oh, c'est ça. Joli. Bravo. Joli. C'était très dur. Le mime se balade mais se fait frapper par la foudre et devient minuscule. Il essaye de se faire remarquer pour qu'on l'aide à redevenir grand. J'aime bien cette petite robe. Il cherche les vêtements qu'il va mettre. Il replie son vêtement, hop. Je vais acheter. Mime fait sa valise pour aller en vacances. Mime a peur de prendre l'avion. Mime a fermé sa valise mais continue à empiler des vêtements. Mime réouvre sa valise. Mais Mime plie méticuleusement. Le mime est incertain. Le mime déménage. Mime part en voyage. Oh, la valise est trop lourde. Il voulait la placer. Attendez, mais Mime. Mime fait semblant. Mime demande qu'est-ce qu'il va faire. Comment il va faire? Mime part en voyage, qui fait sa valise, mais il se demande comment il va faire pour porter sa valise qui est trop lourde. Ah ouais! Mime fait sa valise pour partir en vacances, mais elle est tellement lourde qu'il n'arrive pas à la déplacer et cherche une solution. Il arrive au restaurant, il choisit le menu. Il commande deux verres. Oh,
putain, il a envie de faire caca, ouais. Oh, il est en date, il a envie de faire caca. Oh là là. Il a la gastro, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est un date. Qu'est-ce que se passe-t-il? Oh my god. Mais qu'est-ce que t'as? Ah, tu veux un space-fond? Je vais chier par terre. Je vais chier par terre, je me suis chié dessus. Oh non, t'es enceinte. Oh non, c'est pas possible, c'est pas moi, j'ai jamais fait l'amour. Putain, c'est une meuf qui a envie de faire caca. Je vais chier. Les os. Elle perd les os. Oh, le bébé. Mais le mime accouche un enfant sans être enceinte. Elle fait un délit de grossesse. Elle est au restaurant, elle attend, elle croit qu'elle a mal au ventre pour chier, mais en fait, elle a fait un délit de grossesse et ensuite elle a accouché l'enfant. Crie. Mime a fait un déni de grossesse et va devoir accoucher alors qu'il était au resto. Il fait un gâteau. Il fait des œufs, non, il fait un gâteau. Il le met dans un moule, il le met au four. Il enfourne. Il refait un deuxième gâteau. Il fait la crème. Il fait la moue. Il fait deux gâteaux. Le premier gâteau, c'est le pour lui. Le deuxième gâteau, il est pour toi. Pour ouais, ça va lui faire. Oh, il est empoisonné. Le gâteau est empoisonné. Il va piéger le gâteau. Je l'ai. Mime fait deux gâteaux, un normal, un empoisonné, et il se trompe en donnant le bon à la personne en question. Oh, il a vu le futur. Mime prépare un bon gâteau pour lui et un gâteau piégé pour son invité. Au moment de servir, il mange accidentellement le gâteau piégé. Ah, putain, c'est trop fort. Mime qui tape la démarche comme Samuel une titi, vraiment. Mime c'est VG Dream. Il a peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il va se faire arrêter. Il est en train. Oh, ah, les zombies! Il se fait manger par des zombies! Il se fait manger par une horde de zombies! Qu'est-ce que je fais? Je cours, ma mère! Venez, bande de fils de. Venez, bande d'enfoirés! Venez, je vais vous croquer! Il se fait mordre par les zombies! Ah! Je vais me transformer en zombie! Et je vais prendre le temps de ranger ma ceinture! Ah! J'ai mal! Mais je vais me transformer en zombie! C'est Michael Jackson dans Thriller! Et reste coincé dans. Quoi? Dans un cube. Il est coincé dans une boîte. Le zombie est enfermé dans une cage de prison. Ah, il fait... Oh, Mime. Mime, il est fatigué. Mime, il n'en peut plus. Mime est piégé, il veut se dépiéger. Il n'en peut plus, il est désespéré. Oh non, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Le mime se fait manger par un zombie, il devient un zombie, et ensuite il se retrouve bloqué. Il voulait manger quelqu'un, mais il n'arrivait pas. Ah ouais, super dur. Ah ouais, en effet. Ramané. Ah, il est ternu. Il est malade. Ça lui pique les yeux. Il a le Covid-19. Ah, je sais, il est allergique. Il est allergique au pollen. Allergique au pissenlit. Le mime est allergique. C'est quoi cette allergie? Aux oiseaux. Il se transforme aux oiseaux. Il se transforme en oiseau, merde. The Birdman. C'est The Birdman. Son allergie le transforme en oiseau. Son allergie ça va lui fait pousser des ailes. Non, il est... Red Bull te donne des ailes. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une danse. C'est le petit ami. C'est une danse. Un albatros. Un aigle noir. Non, mais les ailes sont grandes, attendez. Ah, la puissance de son aile le fait s'envoler. Mais non. Oui, c'est ça. C'était quoi? En gros, c'est le mime marche dans le parc, il a des allergies, il éternue tellement qu'il s'envole. Waouh! C'est incroyable! Oui! Ouh! Il lit le journal. Ah, qu'est-ce qui se... Ah, il y a une annonce. Oui, j'aimerais visiter la maison. J'aimerais visiter cette maison. Oui, ok, très bien, venez. Ok, je visite la maison. Salut. Allez-y. C'est la maison. Allez-y. Je visite. Okay. Ah, c'est pas top. Hein. La visite de la maison. Ah, franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est glauque. Waouh. Il y a de la moisissure sur les murs. C'est pas beau. Non, j'ai pas envie. Je vais pas l'acheter. Je ne veux pas acheter la maison. Tout est moche. La meuf de l'annonce, elle est moche aussi. Il regarde le journal dans la rue comme ça. Il voit une annonce, il dit « la maison, elle a l'air pas mal quand même !» Et donc, il appelle le propriétaire, il lui dit « frérot, dis-moi, y a moyen qu'on fasse une visite, frère ?» Le propriétaire, il prend le tel, il lui dit « moi, je suis chaud, viens demain à 18h. »
Donc ensuite, le mec, il dit, ok, j'arrive, il arrive, il fait, ouais, bonjour, comment allez-vous? Il arrive à la maison, elle est vraiment explosée au sol. Il dit, oh là là, mais moi, c'est sûr, je mets pas un bal dans cette baraque qui est trop moche. Pour le point et pour ramener. Voilà, bien sûr. Et la vraie appellation, c'est Mime voit donc une annonce d'appartement géniale dans le journal. Il s'y rend, une fois sur place, l'appart est absolument atroce. Aïe. Vous, monsieur, vous faites la moue. C'est un artiste peintre, abstrait, un peintre abstrait. Qu'en pensez-vous, madame? Ah, c'est une exposition. Ah. Une exposition, il y a un médiateur culturel. Critique d'art, un critique d'art. Ah. Moi, j'aime pas cette œuvre. Celle-là, je l'aime pas non plus. Mais celle-là, bof. Mime qui a un coup de cœur dans un... Je trouve rien dans cette galerie d'art qui m'intéresse. Mime? Il devient performeur, il devient lui-même œuvre d'art. Il devient lui-même l'œuvre d'art de la galerie. Il va dans une galerie, il ne trouve rien d'intéressant et ensuite il devient lui-même œuvre de la galerie. Oh! Mime visite une expo, mais rien ne lui plaît. Il décide alors de remplacer discrètement une œuvre de l'expo par une œuvre à lui et de voir ce qui se passe. Ah, intéressant comment il a interprété, hein? C'était bien. Intéressant, bravo. Mime, sa valise, il est en voyage, Mime est en voyage. Mime est en voyage en Égypte. Mime est en voyage en Égypte. Non. Mime est en voyage au Louvre, à Paris. Louvre. Non. En pyramide. Voyage. À Gizeh. À la montagne. Ah oui. Il a Mime est en ski. Mime est à la montagne. Il a... Ah, il escalade. Il escalade l'Everest. Le Mont Blanc. Le Baudrier. Mais son baudrier va tomber. Non! Oh, Mime est sexy! Mime est sexy quand il tombe! Mime est dans une montagne ensorcelée! Non, mais Mime, il glisse! Il glisse! Il glisse! Mime glisse sur la montagne! Non, le boudrier glisse, il glisse, merci! Donc là, il essaie d'escalader la montagne, tac, le boudrier, ça se détache, il glisse sur la paroi! Merci. Le mime est en vacances à la montagne et va faire de l'escalade. Juste avant d'arriver en haut, sa corde craque et il se met à glisser. Ouais. Oh, il voit, il aperçoit un gros... Quelle femme? Il aperçoit un gros cul. Un gros boulard. Ah, il rentre dans le boulard? Non, mais non. Ah, il est à l'intérieur du boulard. Il est dans la ville de mon cul. Et dans une grotte. Oh, Mime tombe. Il essaye de monter, il essaye de sortir. Il est bloqué dans la grotte. Il essaye de sortir de la grotte. Il tombe. Il tombe de la grotte. Il chute dans un truc, genre... Je sais pas comment il va remonter en haut. Bravo. Mime est en balade, découvre une grotte souterraine incroyable, mais tombe dans un trou et essaye de s'en sortir. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on a essayé un concept un peu nouveau, un peu simple, mais ouais, on s'est beaucoup amusé quand même. Ouais. Tout. Merci à la prod quand même. Ouais. Évidemment, merci à la prod encore une fois. Merci à la prod encore une fois. Nous, on s'est extrêmement amusé, on a beaucoup rigolé. On espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like, à vous abonner, ça nous fera extrêmement plaisir. Je vous mets dans la description le lien de la chaîne Twitch de Kissang, la chaîne YouTube de Scringe et encore une fois l'Instagram de Jules Moutier Football Club de Rio. En attendant la prochaine vidéo, on vous dit peace!